l'extérieur, Galloway. En troisième position, à la corde, Dornock. En quatrième position, on retrouve Camille Attal, numéro 4. Et en dernière position, le numéro 3, Zenobios. Garlin Gary qui repart maintenant devant Galloway, de plus en plus fort à son extérieur. Dornock qui tente de revenir, Camille Attal également, avec Zenobios complètement à l'extérieur. Galloway avec Garlin Gary. Galloway qui prend l'avantage maintenant sur Garlin Gary à 50 mètres du but. Garlin Gary avec toujours Galloway à son extérieur. Galloway qui va triompher. Garlin Gary sera deuxième. Chameur, le numéro 4 qui a toujours l'avantage maintenant, qui réaccélère à 400 mètres de l'arrivée. Vers son extérieur, les attaques maintenant se font de plus en plus précises à l'image de l'As Beaumontel qui déploie ses foulées. Spanish Whipper est entre les deux. Et puis Galloway maintenant, le favori, qui trouve son action. Beaumontel, le numéro 1 qui prend l'avantage, semble-t-il, sur le numéro 4, Chameur, avec Galloway qui refait beaucoup de terrain à l'extérieur. Galloway, Beaumontel pour la victoire, avec Beaumontel face à Galloway. Galloway peut-être tout à la fin venir priver Beaumontel de la victoire photographique